Nous faisons tous du jeu de rôle pour rêver, imaginer, créer des aventures qui sont bien éloignées de notre quotidien et qui transportent les personnages de notre imaginaire vers des horizons que jamais nous ne pourrons envisager d'explorer. Et parmi ces horizons, il en est un qui m'a toujours fasciné depuis ma plus tendre enfance, l'héroïsme. Comment quelqu'un d'aussi banal qu'un être humain a décidé d'un coup d'un seul de se dire « j'y vais » là où les autres ont crié « je fuis ». Comme s'il était porté par une force invisible qui lui donne ses ailes de majesté qui laisseront son nom perdurer dans les livres d'histoire jusqu'aux chansons. Cela reste et restera un incroyable mystère à mes yeux. Cependant, il n'est pas impossible de le décortiquer pour essayer d'en comprendre les quelques mécanismes afin de s'en servir pour narrer pareil fait sur du papier ou sur un écran ou même autour d'une table de jeu de rôle. Pour tout vous dire, cela se découpe en trois étapes narratives que ce trailer issu du jeu League of Legends a su exposer avec brio. Trois étapes qui amènent toute l'emphase nécessaire à cet instant si unique qui transforme un protagoniste en héros. Il faut savoir que les héros ne naissent pas héros, ils le deviennent. Le plus souvent dans l'adversité la plus difficile, quand tout le monde est au fond du trou, et que l'on pense qu'il n'y a plus aucun espoir. Celui où le héros sait qu'il n'arrivera pas à outrepasser cet obstacle s'il reste prisonnier de la condition actuelle qui fait de lui un être pensant, avec ses peurs, ses angoisses, ses douleurs. Qu'elle soit celle d'un personnage fictif ou bien celle de tous les jours, la vie est faite de carrefours. Certains sont de simples embranchements que l'on prend sans vraiment s'en rendre compte, tandis que d'autres nous tétanisent quelques instants de par leur aspect décisif. Un chemin ou un autre qui changera tout jusqu'à la fin. Au sol, blessé au plus proche de cette terre qui accueille ceux qui ne peuvent plus se relever et sur laquelle il a posé un genou, ainsi il comprend que le moment est venu de prendre une décision qui va changer le cours de sa vie. Et c'est à cet instant que l'être pensant s'en va, quittant ce corps et délaissant sa simple condition pour décider de s'engager avec détermination sur ce sentier que bien peu ose prendre. D'un seul regard, on sait que l'instant est venu, celui de faire le premier pas dans ce chemin si périlleux. Mais qu'importe les périls, qu'importe les risques, les peurs, les doutes, la douleur, tout s'en est allé. Il ne reste plus que ce qui doit être fait, car il est trop tard pour reculer désormais. Mais ce qui est sûr, c'est que pareil instant restera dans les mémoires. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, pour vos joueurs, mais aussi pour vous. Car vos héros, vous, maître du jeu, ce sont les personnages de vos joueurs. À vous donc de leur donner les ailes de majesté qu'ils méritent, quand ils décident d'emprunter ce chemin qui fascine. Et fait rêver. À tous ces héros de notre imaginaire, nous vous remercions, nous maîtres du jeu. Merci de proposer des idées folles qui changeront tout dans notre scénario. Merci de perpétrer ces rêves de gosses encore et toujours. Et merci de transformer une aventure en épopée.